bienvenue à bord atypique. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de snorkeling, puis Annie nous force à prendre le temps. Donc on la remercie énormément. Qu'est-ce que je fais? Avant on les coupait, maintenant on les coupe plus. Là. Après une demi-heure, c'est plus censé le venin à faire effet. Mais tu sais, ça c'est ma théorie. Ça, je m'en viens le long de la dorsale, je m'en vais faire ma ligne. Voilà. Ça arrive là-dedans, tranquillement. Là, ça fait pas une demi-heure. Là. Fait que si tu te piques. Ouais. Si je me pique, ça va faire une grosse cloche d'eau. Ça fait mal. Puis on a appris aujourd'hui que si on se pique pendant qu'il est encore venimeux, on peut prendre du Benadryl, des Tylenol, puis de mettre notre piqûre en fait dans de l'eau chaude. Et la source de chaleur va aider avec, avec ça. C'est ce qu'on a appris. Là, je m'en viens, je longe du il y a plus de vent à faire après ça. Mais ouais. Wow! On a un beau filet. Wow! Et après ça, pour venir enlever, garder, enlever la peau. Elle est très mince la peau. Des fois, on peut la faire cuire dans le poêle. Ça, ça rajoute du goût, ça crunchy. Et moi, je m'en viens au centre. Là, je vais pour avoir de la grippe. Je me mets un petit rebord. Là, tu appuies sur le couteau. Tu glisses. Oh bon. Ça fait un beau filet. Oui! Après ça, tu fais. Oui! C'est cœur, hein? Ça, c'est un des gros qu'on a pas mis. Ouais. Un bon ceviche, poisson lion. On a mis de la mangue, du persil, des fraises, des piments verts, un petit peu de vodka, du jus de lime. Oh wow! C'était ça. Oh ouais. Ça marche. T'as fait. C'est un succès. Bon appétit! Patrice est venu me chercher au bateau parce que ça a l'air faut que je vive quelque chose. C'est vraiment. Première fois de ma vie que j'interagis avec des perroquets en liberté. Ils sont chill au bout, ils aiment le coconut. Ils sont où? Ils sont là. Ah, ils sont là, ils sont à terre. Ben voyons. Il y a personne d'autre avec? Il y a un dessin à terre. Elle joue avec. Elle joue avec. Annie est en train de jouer avec les perroquets. Wow! Tu sais, j'ai approché trop proche de la femelle, le mâle me l'a fait dire, puis là, il me chassait, là, tu sais, il était bien peinard, bien gentil, puis là, on a commencé quasiment à parler ensemble, là, tu sais, moi puis le perroquet. Oh, ils sont bien beaux! Ah, ça, c'est trop cool! Wow! Oh, ça ils sont nommés beaux! Correct. Tout est beau.
vraiment bien beau! C'est pour des moments comme ça qu'on voyage, et beaucoup d'autres bien sûr, mais ça là, sans s'y attendre, on s'en vient juste promener sur la plage, prendre les cabanes en photo, puis on voit un monsieur en train de nourrir les perroquets. Je crie, ils sont en liberté? Ils disent oh oui, mais ils sont très loud, ils font du bruit. Puis là, on passe un excellent moment, c'est de toute beauté. La magie, voilà. La magie au père. Peace! Oh my ouais, god! C'est beaucoup à dire! Il jase! C'est pas c'est moi que j'ai refait avec Windy. Imagine les sous des cabanes, comment c'est loud par exemple. Tu cliques le côté des vents. Ouais, oh my god! Oh ouais! Ils veulent plus nous voir! On dérange le voisinage parce que c'est à cause de nous autres qui chialent demain. Ils nous chialent après. Yeah. On s'en va, on s'en va. Yeah. Vous êtes pas si arrosé que ça? Ben oui. On a des morales arrosées. Hey, vous avez pogné du 27 nœuds de vent, ils ventent là, mon ami. On vous avait pas dit de mettre en costume. Grâce. Oh mon dieu, hey, bonjour, bonjour. Merci à vous. Bonjour. Aïe, c'est beau. C'est exotique, hein? Gracias, Paratodo. Lame tout, lame tout. Gracias. On est super excités parce qu'on a nos trois invités à bord, nos trois Patreons. Puis là, c'est la première vraie navigation à la voile. Super excités. Puis là, je suis en train de leur montrer comment on monte la grande voile. Il nous reste 1,2 mille nautiques à faire, 14 minutes, on arrive à 2h30, 2h26. On a parcouru 17,7 mille nautiques en 3h30, on roule à 4,5 et on a eu un average tout le long de la navigation de 5,2. C'est une belle vitesse. On a fait un beau surf à 8,5. Mm-hmm. Donc on est bien excité d'arriver au mouillage. Ok les amis. Vous pouvez y aller. Correct, c'est creux. Manœuvre réussie. Ça va bien avec un équipage? On est dans le fine-tuning là. En train de faire les derniers réglages. Mettre une belle tension en arrière comme en avant. Patrice est dans l'eau. Il va l'attacher la patte d'oie le plus loin qu'il peut. Comme ça, on recule plus. Puis on a 4,8 mètres. Sous la quille, c'est amplement. Nous, on toucherait à 1,1 mètre. Donc, on a 3 mètres de plus, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as ramené du Québec? Des Barbies qui sont plus utilisées. Cool! Là, on a justement l'opportunité. Une régalo. Pan? Si, pan. Si! Est-ce possible, langoustine?
No, tu hombre es posible tu WhatsApp para la langostina aquí. Sí. 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 Necesita la. Hola, hoy es posible. Sí, sí, otra persona. Perfecto. Gracias. Faut juste que tu y dégages jusqu'au blanc, et après ça on va percer là-dedans. Voilà. Voilà. Ça y est. Ça coule. Et très bon. C'est bon. Ça coûte quoi? Le bonheur! Ça goûte les vacances! Voilà, voilà! Oh yeah! Oh wow! Oh! C'est vraiment bon! Simple de même, deux trous. Ouais. Chip, chip. Je peux mettre là, ça me bouge pas. Là? C'est tellement. Ouais. Je viens partout là. Ouais. Vos commentaires, mademoiselle? Délicieux. Délicieux. Mais t'es un peu chaud par exemple. Ouais, chaud, c'est ça. On parle de la noix de coco là. Pas nous autres qui est chaud là. La noix de coco. Windy aussi. Ah ouais. Tiens, ben ouais, t'en as donc 20. Ouais. C'est sexy. On sait qu'on ne changera pas le monde avec cette initiative et qu'il reste beaucoup à faire. Mais on est enthousiaste parce que la communauté atypique répond à l'appel. Vous êtes plusieurs à nous avoir écrit que vous aussi, vous débutez un projet semblable dans votre coin de pays. Il y a même les jeunes du groupe des mots de persévérance à l'école Thérèse Martin de Joliette qui nous ont contactés parce qu'eux aussi font un super beau projet de défis et de bonnes actions. Alors voilà, nous avons relevé le défi en ramassant les déchets de plastique sur cette île. Quelles seront les bonnes actions que vous ferez autour de vous? Okay. Bon travail! Encore une fois, on a ramassé des sacs de plastique sur la plage. C'est un défi qu'on s'est lancé il y a quelques semaines. Puis à chaque nouveau Patreon, on ramasse un sac de plus. Aujourd'hui, on a ramassé 6 sacs. Le premier, c'est pour Léane Bergeron, Caroline Lousignan, Marc et Sylvie, Mélanie Paquin, Océane Grégoire et Maëva Grégoire. Merci beaucoup! Ouais. Hey, j'espère que c'est pas trop long parce qu'il fait chaud. J'ai plus de poils dans le dos parce qu'il est tout brûlé. Cheers, les amis! Cheers! On a ramassé encore 6 sacs à l'île qu'on veut nettoyer au complet. Ça avance très bien. On a eu de l'aide de nos amis. Ils sont là. On ramasse ça. On amène ça dans le dinghy. On va aller porter ça. Honnêtement, je pensais que c'était pour se remplir plus rapidement la plage. Ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu. Puis je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de déchets. Puis c'était quand même très clean. Donc ça prend un certain temps avant que les déchets reviennent. C'est encourageant. Au moins, on n'a pas l'impression d'avoir donné un coup d'épée dans l'eau. Puis ça sert à rien. Un petit geste à chaque jour. C'est comme ça qu'on change le monde, les amis. Ensuite, on lève l'ancre, on se prépare. On fait une petite navigation de 9000 nautiques. On s'en va à Swimming Pool. Un autre mouillage qu'on adore. On va découvrir ça à nos invités. Beau lever de soleil, il est 6h30. Moi, j'adore me lever tôt quand je pars en navigation. Véronique, elle aime moins ça. La semaine prochaine, on a notre premier incident médical sérieux à bord d'Atypique. Notre invité GF se fait piquer par un poisson-lion venimeux. À la prochaine! Ça diminue pas. J'adore la navigation plus que la natation.
parce qu'il y a toujours un risque de se faire piquer par un poisson-lion, comme notre ami Jean-François, le guerrier. N'oubliez pas de mettre des likes pour lui montrer que vous êtes avec lui. Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez voir tout de suite ce qui arrive à Jean-François, abonnez-vous à Patreon, ouais!